Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale de Act of Aggression. Aujourd'hui, vous dire les différents objectifs secondaires et objectifs secrets que vous avez dans le jeu. Faut savoir que chaque objectif secret donne droit à un succès quand vous l'effectuez. Et donc, j'ai regardé ma liste de succès, vous pouvez pas voir donc c'est pas grave. J'ai regardé ma liste de succès et on va faire une mission une par une pour vous montrer. Ce que vous pouvez évoquer, donc certains objectifs sont peut-être secondaires, d'autres secrets. Vu qu'il y a deux types de succès sont dedans. Donc on va commencer par la première mission de la chimère, qui s'intitule la traque de Yao. Dans Sexy, il n'y a aucune mission secrète. La seule mission secondaire qu'il y a, c'est faire survivre toutes vos escouades, tous vos soldats, donc c'est l'objectif secondaire qu'on vous donne au début. Donc Sexy est assez simple. L'attaque du train. L'objectif secret de cette mission-là, c'est utiliser que les troupes initiales. L'objectif bonus, c'est ne perdre aucune troupe, si vous en souvenez. Mais là, c'est vraiment... On vous donne 6 félins et vos 2 snipers. Vous devez faire toute la mission avec vos 6 félins et 2 snipers. J'ai réussi à faire les objectifs d'un coup, donc... En soi, elle n'était pas bien compliquée. Quand hurle les loups, il n'y a aucun objectif bonus. Surtout découvert, donc évacuer tous vos hommes, tout ça, je n'ai rien à rajouter dessus. Par contre, en destination Serbie, l'objectif secret, c'est de ne perdre aucun camion. Donc, vous trouvez un camion, passe dès le premier coup, sinon, l'objectif secret, vous ne l'aurez pas, ça serait dommage. Dans service secret, mon objectif bonus de perdre aucun homme, ça je pense que vous en doutiez, c'est de voler les deux hélicos qui sont dans leur petite base secrète. Je vous rappelle à un moment, après qu'on ait capturé le troisième nœud, pour aller au quatrième, il y a une petite base. Un des objectifs bonus, c'est de capturer les deux unités. Et un des objectifs secrets est de voler les deux super runs. Pour le faire, faut poser votre infanterie à côté et au bout de quelques secondes, vous le capturez. Un objectif secret, c'est de détruire l'un des spectres. Donc, de toute façon, ils vous en enverront, donc vous en détruisez un et vous l'avez. Pour la mission service secret. Épée de Damoclès. Bon, épée de Damoclès, c'est simple, faut perdre aucun Abrams. Enfin, excusez-moi. Faut en garder minimum 4 en vie. Voilà. Ça m'a toujours surpris ce que c'est là. J'ai un doute, c'est en perdre aucun ou en avoir 4. Vu que j'avais effectué, j'en ai perdu aucun. Donc si vous ne faites pas le succès à cause de perdre un Abrams, recommencez et perdez aucun Abrams. Je précise, le M1 a 2 Abrams, donc la dernière variante du Abrams. Pas la variante de base. Dans l'antre de la chimère, nous avons deux objectifs secrets. Le premier, c'est... Il faut construire des Antu. Quand vous commencez à construire des Antu, il faut intercepter 2 frappes d'armes, de super armes ennemies. C'est pas très dur à faire, mais il faut rapidement les produire, avoir les ressources nécessaires pour pouvoir les produire instantanément. Vous pouvez les poser à côté de vos QG, c'est bon. Et ensuite, il faut réussir à protéger votre QG principal pendant 30 secondes. Pendant 30 minutes après la fin de la mission. Ce qui peut être en soi plus dur, mais une fois que vous avez intercepté les premières frappes de Thor, à un moment ils auront plus de ressources pour en produire. Et je vous rappelle que la technique que j'avais utilisée, c'est que je démolissais un par un les bâtiments et les bases pour y arriver. Ça avait été un bon succès, c'était en soi pas trop dur. La 8ème mission, qui s'intitule Dissa l'Apocalypse de la Chimère. Alors, les objectifs sont assez nombreux. Alors, vu ce que je retrouve... Voilà. Donc déjà, vous avez un objectif bonus qui est de préserver la majorité de vos cadeaux qui ont été faits par les troupes russes. 2 de vos 3 hélicos initiaux et 7 de vos 10 chars qu'on vous donne au début. Ça n'était pas très dur à faire. Un objectif bonus, c'est de détruire les deux QG annexes du cosmodrome de Baïkonour. Donc Sexy, tout le monde l'a fait, c'était pas bien compliqué. Par contre, il y a une mission bonus, c'est de détruire le QG ennemi. La base principale ennemie en moins de 15 minutes après qu'on vous ait donné 15 minutes avant le lancement. Je crois que vous avez 25 minutes pour la démolir, donc vous le démolissez tout de suite, hein, vous perdez pas de temps et vous l'avez tout de suite. Enfin, l'objectif
Ah non, excusez-moi, je me suis planté d'une ligne, c'est pas... Excusez-moi. Donc, c'est les objectifs bonus qu'on vous dit pas, mais il est assez intuitif. Donc, une fois qu'on vous donne l'objectif de dégommer le cosmodrome, la base à côté du cosmodrome, vous envoyez toutes vos troupes dessus, préparez bien une belle armée, comme j'avais fait, plein d'hélicos, ils vous foncent dessus, vous les détruisez à faire régler. Et la 9e mission, qui s'intitule la guerre civile américaine, où il y a plusieurs objectifs. Le premier, c'est de vider toutes les ressources de l'aéroport, de tous les dépôts. Intuitif, je pense. Et enfin, le deuxième, c'est on utilise leur matériel contre eux. Voilà, tout simplement. On est à les troupes américaines, on joue contre les Américains. En soi, de mémoire, une fois que vous finissez la mission, vous débloquez retour à envoyeur. C'est le nom du succès. Donc voilà, donc le vrai objectif à faire, c'est de capturer tous les dépôts de l'aérodrome. Et enfin, passe mexicaine. Posséder les trois QG en même temps. Donc faut maîtriser la chimie. Faut avoir un QG de la chimère, un QG des Américains et un QG du cartel. Donc vous capturez le cartel. Utiliser une fois chaque super arme. Voilà, faut utiliser chacune des super armes. Ouais. Vous avez un succès, c'est utiliser la super arme du cartel. Donc vous capturez une base du cartel, vous construisez cette super arme, vous l'utilisez. Envoyer un missile nucléaire et. Enfin, un missile nucléaire ou autre et faire énormément de dégâts. Après voilà, utiliser, je crois, de mémoire. En fait, vous devez avoir un succès, c'est utiliser le missile nucléaire. Un autre succès, c'est utiliser le. Comment il s'appelle? L'Omega Blister de la Chimère. Et le troisième, c'est utiliser le Thor. En réalité, c'est différent. C'est en fait, faut produire chacune de ces super armes. Il n'y a que le Thor qu'il faut l'utiliser. Mais utilisez les trois, comme ça vous êtes sûr d'avoir les trois succès. C'est plus facile. Et surtout, construisez les trois bases. Ou capturer une des bases secondaires, et ça se fait tout seul. Maintenant, le cartel, il y a aussi ses objectifs bonus qui vont avec. Donc, alors, vous avez deux objectifs bonus dans le premier. Le plus simple, c'est vous avez l'aérodrome ennemi à droite, au tout début de coup d'état. Vous capturez l'aérodrome, enfin vous capturez l'héliport, vous produisez l'hélicoptère américain. Vous en réussissez un. Le second, c'est vous préparez vos troupes. Et quand vous commencerez à traverser le pont, ils vous diront ça sert à rien d'attaquer, l'ennemi est trop. Et en gros, on vous met en garde de pas traverser, l'ennemi a une très grande défense derrière. Mais vous continuez, vous foncez, vous envoyez vos troupes, traversent le pont, toutes vos troupes traversent le pont et meurent de l'autre côté, vous en fichez. Et vous accomplissez le deuxième objectif secondaire, qui est l'offensive Nivelles. En gros, vous foncez dans le traquenard, vous perdez toutes vos troupes. Ce n'est pas bien compliqué de faire celui-là. L'extinction du loup blanc. L'un des objectifs bonus est de perdre... Enfin, pas de... Excusez-moi. Un objectif bonus est de détruire tous les véhicules ennemis dans cette mission. Tous les véhicules ennemis quand vous devez en fait intercepter le convoi, je précise. Donc avant qu'on vous donne les hélicos pour aller capturer... pour les détruire au QG ennemi. Si vous le réussissez, vous obtiendrez un spectre. Comme ça, vous pouvez savoir si vous avez réussi. Donc voilà, c'est le succès qui s'appelle No Parasun. C'est en gros créer un mur de feu et d'acier infranchissable. Aucun véhicule n'est passé. Le deuxième, c'est d'envoyer vos troupes, capturer le QG ennemi sans détruire un seul T-90, enfin... Black Eagle, ça doit être le nom du char dans le jeu, dans la base ennemie. Mais vu comment j'ai fait, j'ai détruit tous les dessins sur le nord de la map. J'ai enlevé mes hélicos, j'ai déployé l'infanterie derrière, j'ai attendu que le char soit un, j'ai enlevé mon infanterie, j'ai capturé, et voilà. Tout simplement, pas plus dur que ça. Et vous avez aussi deux objectifs bonus de cette mission. Enfin, le troisième, c'est de ne pas perdre plus de 8 contracteurs de mémoire ou 10. Ça, c'est un objectif secondaire. Attaque en traître, il y a un objectif bonus qui est de... Enfin, il y en a deux pour être précis. Enfin, l'une est corollaire de l'autre en fait. L'objectif, c'est en soi, c'est de libérer tous les prisonniers détenus par l'ennemi. Le succès.
Vous avez un certain nombre de bases qui vous est donné, et il y en a une qui est secrète, qui vous est pas indiquée sur la map. Vous avez vos troupes, vos contracteurs, donc vos... Non, c'est pas mon contracteur, les Vanguard, c'est dans cette base-là. Qui est légèrement excentrée en bas à gauche de leur centre opérationnel. Pas de deux grosses bases, mais... De là où ils ont leur serveur, exactement. Il faut envoyer un hélicoptère de combat là-bas. Vous récupérez toutes vos infanteries, voilà. Vous aurez coupé l'objectif bonus de cette mission, vraiment très simple à trouver. Je vous conseille d'aller voir maintenant toutes mes vidéos pour savoir où, vu que je les effectue sur celle-ci, de voir où ils sont. L'Exode. C'est pas, y a pas d'objectif bonus, c'est juste qu'il faut tenir en permanence tous les points. Voilà. Mais vu le faire, c'était pas rien compliqué, c'est tout. Voilà, c'est aucun objectif bonus, rien. Et maintenant, Olympe n'est plus vive et Héliopolis, vous voyez, je suis à 100% vu que j'ai fait le dernier objectif qui me manquait dans la vidéo précédente. Alors, premier objectif, c'est Tukasa, Esmikasa. En gros, au début de la mission, on vous donne de se soit capturer, soit détruire 4 bâtiments qui encerclent la base ennemie. Vous avez une caserne, un héliport, enfin une caserne en bas à droite, un héliport à l'est. En bas à gauche, vous avez une baie de soutien avec les véhicules légers, et à gauche, vous avez un véhicule bah, c'est un véhicule de lourd. Je sais plus comment ça s'appelle, une armurerie lourde, je sais plus le nom. Faut capturer ces quatre bâtiments en même temps et simultanément. Pas faire comme moi, j'ai perdu l'héliport, donc je pouvais pas le faire quand je vous ai fait filmer la vidéo. Mais vous capturez les quatre. Donc pour protéger ceux à droite, avant de capturer l'héliport, je vous conseille de faire des javelins, d'artillerie détruire uniquement les bunkers. Donc vous désactivez toujours le tir automatique après que vous ayez tiré sur position sur les bunkers. Je vous précise. Donc vous le capturez tranquillement, vous aurez votre infanterie, vous capturez tous les bâtiments. Et vous mettez après des javelins dans les bâtiments. Vous capturez le petit avant-poste qui est au sud. Et vous envoyez 2-3 avant-postes, 2-3 bunkers protégés après cette base-là. Vous comprendrez très bien ce que je veux dire. Côté gauche, vous capturez les bâtiments normalement. Avec l'aide de troupes anti-char, les Cherchennes. Puis vous utilisez vos hélicos furtifs, vous les amenez au-dessus en fait de la base de gauche. Vous avancez, votre artillerie détruit uniquement le bunker, après ne tire plus. Et vous avancez en fait vos vanguard si vous voulez, on fait à ce moment-là fait des vanguard, vos contracteurs, et vous mettez derrière des Cherchennes. Les Cherchennes ont pour ordre de tirer uniquement sur les blindés. Vous tirez, vous demandez ordre un par un de détruire chacun des véhicules qui est. J'avoue, vous coupez le feu en chaque tir et c'est bon. Le deuxième objectif secret de cette mission, c'est de dégommer toute leur aviation. Enfin, en soi, il n'est pas secret, vu qu'on... Si vous regardez le Success Team, il est donné, celui-là. Simplement, faut faire. Vous m'avez vu, j'ai établi une base au milieu, et construisez surtout un aérodrome au milieu pour avoir la détection quasiment instantanément de tous les bombardiers furtifs. Quand ils arriveront vers vous, comme ça, vous intercepterez plutôt avec vos avions. Et le troisième, c'est de détruire les deux bases principaux des Américains, et vous réussirez. En soi, le cartel, j'ai oublié aucun. Je viens de penser, j'ai oublié un succès, excusez-moi, je viens d'y repenser, désolé. Dans la mission, quand Urgle et Lou, vous avez un objectif bonus qui est quand vous avez une troupe qui est blessée, il faut la soigner et la rétablir. Je m'explique. Vos troupes peuvent tomber à terre, voilà, ils sont parfois neutralisés. Vous avez un véhicule qui permet de soigner, qui vous est fourni dans cette mission. Il faut sauver tous les soldats. Voilà. Je m'excuse, j'aurais dû le voir avant, mais voilà, c'est une petite erreur de ma part. Et voilà, donc c'est l'ensemble des missions bonus. Donc voilà, donc je les ai tous réalisés en vidéo. Celle-ci c'était bon. La seule mission où j'ai pas accompli tous les objectifs bonus, c'est Olympe n'est plus vive Héliopolis à cause que j'avais perdu l'héliport.
C'est une mission assez compliquée, je vais pas la refaire. J'ai dû la faire en tout 15 fois pour trouver tout l'objectif secret. C'est pour vous dire. Mais voilà. Mais vous savez maintenant tous les objectifs secrets de ces missions. Donc, bon courage pour les effectuer. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo bonus. Je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo et un autre Wakfu. D'ici là, portez-vous bien et à ciao tout le monde.